Mais... C'est quoi cette fin horrible? Salut! Bienvenue sur FNAF Security Breach avec Freddy! Aujourd'hui on va terminer le jeu, mais avant j'ai quelques trucs à vous dire. Je vais faire une vidéo un peu hors série qui sera une vidéo réaction à toutes les fins possibles du jeu parce que bah évidemment on pourra pas faire toutes les fins. On va en faire une, je pense qu'on va faire la fin de Vanny. Et en parlant de Vanny, on va tout de suite aller voir sa surprise parce que l'un de vous m'a dit en commentaire où est-ce que je pouvais la trouver. Donc on remercie Siltek! La surprise c'est entre les tables d'anniversaire et la scène principale, il y a un disque CD qui raconte un peu du lore de FNAF. Et apparemment dans les paramètres je peux activer un viseur pour le phase blaster. Est-ce que c'est ça? Genre là si je sors le phase... Oh oui! Oh mais ça aurait été tellement pratique! Mais pourquoi c'est pas activé de base cette merde? J'ai envie de tester ça tout de suite. Ma coupe est fichue! Non non non! Merde! Merde! Ça ne marche plus! Et du coup, entre les tables d'anniversaire et la scène, il y a normalement du coup un cadeau de Vanny. J'arrive pas, même avec le viseur en fait. Mais... Oh! Oh si c'est là! Ok! Je récupère le disque... Mais... Ok, CD rétro. Ok, je vais me planquer ici juste pour regarder ça. Comment j'utilise ce truc? Attends, maintenant il faut que je trouve un truc pour lire le CD, c'est ça? Où est-ce que tu es? Oh non, non, non! Ça touche à moi! Arrière! Oh non! C'est moi qui ai tes yeux! C'est moi qui ai tes yeux! C'est moi qui ai tes yeux! Bon, je sais pas comment on utilise les CD, hein. Ah d'accord, je suis en train de lire sur l'internet mondial. En fait, pour pouvoir lire le CD, il faut avoir l'amélioration des griffes, ça je l'ai, mais il faut aussi l'amélioration de la boîte de voix de Chica. Putain! Non mais c'est... écoute, Freddy, ça me casse les couilles. Tu sais quoi, on va juste finir le jeu. On va pas retenter Chica, ça sert à rien, je vais juste encore galérer et je vais encore abandonner parce que ça va me péter les burnes. Je suis désolé par rapport au truc de Chica, mais j'ai vraiment pas envie de le retenter, ça me saoule, ça m'énerve. Le fait que la station de sauvegarde soit à cet endroit-là maintenant, c'est juste... Non, j'ai pas envie. On va faire la fin de Vanny. Bah, on a découvert sa cachette, non? Au Phaser Blast? On pourrait peut-être l'attraper là-bas. Ah! Si elle pense que je me suis enfui, on pourra peut-être la prendre par surprise. Oui, viens. Mettons un terme à tout ça. Oui! Oui! Bon, ça va, ça nous fait une petite mission. Ah. Ah non, d'accord, c'est genre la cinématique de fin direct. Mais genre, Freddy se bat. Il s'est jamais battu pour moi tout le long du truc. Elle est là! Démonté, Freddy. Pourquoi? Mais. Quoi? C'est quoi cette fin horrible? Attends, j'espère que c'est pas juste ça, hein. Oh bordel! Oh bordel de merde! Non mais non mais non mais... Mais non mais... Mais putain! Mais putain de bordel de merde! Mais... Je ne suis pas une perdante! J'y vois rien! Non mais Freddy! Freddy! Oh là là! Oh, je m'attendais pas. Je m'attendais à ce que. C'est juste ça? Est-ce que c'est juste ça? Et là, après, faut que je m'enfuis? Oh mon dieu, ça va vraiment être nécessaire qu'on fasse une vidéo réaction sur les autres fins parce que je veux savoir ce que j'ai loupé. Ce que le jeu m'a fait louper en étant horrible à faire! Par contre, c'est un truc de fou comme la cinématique, elle est très très rapide. Je me demande si les autres fins sont aussi courtes que ça, genre c'est résumé en 30 secondes. C'est un TikTok le truc. Et c'est horrible, je vous la repasse quand même, qu'on puisse l'apprécier. Vu que c'est assez court, on peut se permettre quand même de se la repasser pour le plaisir. Mais par contre, pourquoi il me suggère de partir par là? J'ai pas envie de partir par ce côté-là, moi. Je connais pas la sortie par ce côté-là. Je sais pas où est-ce que je dois aller. Ok, c'est ici que j'étais tombé sur l'autre con. Putain de bordel de merde. Putain. Je sais même pas où je suis. Il triche, c'est sûr. Oh là 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 là. Mais je sais même pas où je suis dans le bordel du Phaser Blast, c'est ça. J'espère que je vais pas retomber sur tous les... Est-ce que tu m'entends? J'ai encore un signal.
Oh bordel. Rends-toi à l'étage du Phaser Blast. Utilise le bureau de la sécurité. Retourne-les contre Vanny. Ok, ok, avec plaisir. Avec plaisir, on va faire ça, Freddy. Oh oui, oh oui. Oh si je peux. Oh, oh. On va la baiser. On va la défoncer, cette conne. C'est parti. Oh. Une petite bande dessinée. Ça, c'est moi. Disassemble Vanny. Mais sauf qu'ils peuvent pas la désassembler. C'est un humain. Mais ça. Ah, c'est peut-être pour ça que c'est fait de façon. Ouais, c'est peut-être pour ça que c'est une BD. Parce que désassembler Vanny, ça veut dire désassembler Vanessa, qui n'est pas un robot, c'est une humaine. Oh là là. Oh non. Bon, je suppose que c'est tu pas la. Ma petite. Graine de star. Non. Freddy. Quoi? Ah, il faudra vraiment. Prochaine vidéo sur FNAF, on réagit aux autres fins parce que je veux savoir s'il y a moyen d'avoir une fin heureuse. Freddy. Et moi, j'ai douté de lui pendant tout le long du jeu. Je me suis dit, il va me trahir. C'est sûr, il va péter un câble. Et peut-être que dans une autre fin, c'est le cas, mais... Mais là, il m'a protégé, et grâce à lui, on a pu vaincre Vanny. Ah ouais. Ah ouais, quand même. C'est pas la meilleure fin. C'était l'une des fins les plus faciles à avoir, du coup, forcément. Et sachant qu'il y en a 6, j'en ai débloqué que 3. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut foutre comme bordel pour réussir à débloquer les autres. Peut-être réussir à avoir tous les trucs optionnels ou découvrir une autre sortie. Et je sais pas, mais... Merci Freddy de t'être sacrifié pour moi. Du coup, bah, on se retrouvera très vite pour voir... J'ai trouvé une vidéo sur YouTube qui montre les autres fins. Donc on va pouvoir les voir et c'est important pour moi parce que ça me fait chier quand je fais un jeu qui a plusieurs fins. De pas voir les autres fins. Genre, je peux pas rester là-dessus et me dire, ok, c'est la fin que j'ai eue, c'est cette fin-là pour moi. Non, il faut que je vois les autres fins. Et étant donné que je fais un let's play sur le jeu, je veux les voir avec vous. Bon, du coup, ce sera pas en VF parce que j'ai pas trouvé de version VF de compilation des fins qui existent. Mais. C'est pas grave, on aura les sous-titres, on verra ce qui se passe, et puis je comprends un minimum l'anglais, et puis je pense que vous connaissez un minimum les fins qui existent déjà pour savoir que... Enfin bref, on n'aura pas trop besoin des sous-titres, je pense. Et du coup, de suite après ça, on fera le DLC Ruine, et vu le nom du DLC, je pense que ça va être le bordel. Parce que j'imagine que ça se passe après le jeu, et si le DLC s'appelle Ruine, c'est que le truc est en ruine, donc j'ai bien envie de voir le Pizzaplex en ruine, et... Et je me demande qu'est-ce qui peut se passer après pour qu'on y retourne potentiellement. Genre, est-ce qu'on y retourne en tant que Grégory ou... Je sais pas. J'ai plein de questions et j'ai hâte d'en découvrir plus. Ah bah, ok, voilà. Ok. Ah, genre, par contre, il a fermé par rapport à des problèmes de sanitaires. Parce que les pizzas, elles étaient périmées, c'est juste... C'est ça la raison pour laquelle il a fermé le Pizzaplex. Ça me fait vraiment chier de pas avoir réussi à débloquer plus de fins, mais bon... Vous connaissez mon avis par rapport aux stations de sauvegarde, et par rapport à la façon dont est fait le jeu... Rien que la carte, le fait qu'on t'indique pas le nom des lieux, ça me saoule. Et surtout maintenant que j'ai plus qu'une station de sauvegarde, genre réussir à débloquer d'autres fins, c'est... Non, je suis désolé, on fera pas ça, mais vous inquiétez pas, vous aurez quand même mes réactions aux autres fins, à toutes les fins. J'ai hâte de voir les autres fins possibles, parce que là, je suis un peu déçu de ce qui s'est passé, c'est juste horrible. Mais est-ce que c'est la seule fin dans laquelle on peut vaincre Vanny? Genre, est-ce que pour vaincre Vanny, il faut absolument que Freddy claque? Est-ce qu'il y a une fin où vraiment tout se passe très très bien? Je pense pas, en vrai. J'ai beaucoup craché sur le jeu, mais je l'aime beaucoup quand même, c'est pour ça aussi que j'étais pas content. C'est parce que, en fait, j'aime le jeu et j'aurais aimé arriver à faire plus, sauf que, vraiment, je peux pas, c'est trop chiant. Et c'est chiant pour aucune raison, c'est ça aussi qui est très frustrant. Je comprends pas qu'ils aient pensé à ce système-là. Surtout pour un univers auquel les gens sont autant attachés, genre, tu sais très bien, quand tu fais ce jeu, que c'est un jeu que les gens vont vouloir explorer, ils vont vouloir trouver des easter eggs, ils vont vouloir trouver des secrets, des références aux autres
votre jeu, ils vont vouloir chercher plein de choses dans le jeu. Sauf que ça, c'est rendu hyper difficile pour aucune raison. J'ai beaucoup aimé le jeu, j'ai beaucoup aimé faire ce let's play, surtout avec vous, c'était incroyable. Vous étiez à chaque fois super content quand un épisode sortait, et j'espère que ce sera encore le cas parce que c'est pas encore terminé. Mais j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire ce let's play, et ça m'énerve de pas pouvoir avoir pu en profiter plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vous votre avis dans les commentaires. Et la prochaine fois, on lancera ceci. Grégory a besoin de votre aide, vous incarnez Cassie, la seule qui puisse le trouver et résoudre le mystère du Pizzaplex une bonne fois pour tout. Attends, quoi? Ça se passe après, mais si le truc est en ruine, ça doit se passer longtemps après. Et on incarne un autre personnage qui cherche Grégory. Ok. Oh, mais ça va être super intéressant à faire. Oh, je suis hypé par le DLC. Oh, vous savez quoi? On va regarder la bande-annonce. Ok, donc ça, c'est genre Cassie. Genre, on va rentrer dans le Pizzaplex alors qu'il est en ruine. Comment ça a pu finir dans cet état-là? En si peu... Mais attends, c'est que ça se passe super longtemps après. Oh là là. Oh, mais ils vont tous être encore plus dégueulasses. Genre, les gens qui avaient le Pizzaplex ont décidé de fermer le Pizzaplex. Mais en laissant tous les animatroniques dedans. C'est terrible. Oh là là, je suppose que ça va être vraiment horrible. Ouais. Ouais. Oh non, il y aura Philippe. Ok, ouais. Par contre, ouais, effectivement, pour comprendre ce qui se passe dans le DLC, je pense que ce sera bien qu'on ait vu toutes les fins possibles. Hein. Du coup, je résume, ouais, la prochaine fois, on se retrouve pour une réaction à toutes les autres fins. Et ensuite, on se retrouvera pour le DLC Ruine. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous retrouverai très vite pour la suite, et d'ici là, portez-vous bien, et j'espère que Noël se passe bien. C'est cette vidéo doit sortir dans la période de Noël, donc j'espère que vous passez de bonnes fêtes, et voilà, gros bisous. Au revoir.